Hello à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une création, voilà, sur le thème gourmandise, pour réaliser donc un mood board avec donc ces serviettes en papier que je vous avais donc partagées lors de mon haul normal. Je les avais achetées, oui, donc chez Normal, et je voulais vous montrer ma création moonboard sur le thème gourmandise. Alors pour ce faire, j'ai donc pris, là pour le coup je vais pas le faire moi-même, je vais m'aider de mon pochoir qui me vient de Schoenflor, je crois, oui c'est ça. Donc celui-ci, c'est un pochoir que j'avais acheté donc dans un salon, voilà. Et je me suis dit, bon allez, comme je vais faire un tuto, après bien évidemment vous pouvez... Voilà, prendre des mesures, vous pouvez aussi le réaliser, prendre une règle, mesurer et faire vos carrés, vos rectangles, vos ronds, même des triangles, pourquoi pas, on n'en a jamais vu encore en soi, donc j'ai envie de vous dire, en triangle, ça peut le faire également, tiens, c'est peut-être une bonne idée, j'essaierai, voilà, la prochaine fois j'essaierai avec des triangles, peut-être que ça peut, rejoindre, enfin bon, bref, voilà. Écoutez, je vais donc placer tout simplement mon moodboard sur... mon papier, alors le papier j'ai pris du bloc, vous savez, artiste aquarelle paper de chez Action, donc celui-ci, voilà, et je vais venir prendre mes dés avec donc du washi pareil de chez Action pour venir voilà, que ça tienne bien pour pas que ça bouge, pour faire mes carrés, quoi, voilà. je vais en mettre un petit bout ici. Oh là là, vous voyez, déjà là, je fais des bourdes. Ça commence. Voilà. Et puis, un là, pour que ça soit bien plat. Voilà. Mettre dans ce sens. Donc, je prends les chutes. Hein. Je vais pas reprendre du washi comme j'en avais mis de côté. Voilà. Et un moment de ça. Et ben, je les réutilise. Voilà. Et voici. Et là, avec un feutre fin, voilà, ceux-là, je les avais achetés, ces pigments liner de chez Nose. Je les avais achetés chez Nose. Alors, la marque, je ne sais pas du tout, c'est écrit en chinois. Voilà. Donc, c'est le numéro 5 que j'ai pris. Oui, celui-ci. Pour celles et ceux, après, vous pouvez prendre un autre feutre crayon, quoi. Voilà. OK. Donc là, est-ce que c'est bien plat? Ça me semble pas assez plat, ça. Voilà. Normalement, si, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, je vais venir faire mes carrés, mes rectangles. Voilà, j'y vais directement avec mon feutre noir. Vous pouvez venir faire ça avec un crayon à papier et ensuite repasser dessus en noir pour être sûr que ça soit bien droit en soi. Mais bon, vous voyez là par exemple, j'ai fait une petite vague, je vais venir après travailler dessus, je vais faire des petits zigouigouis, voyez, hop et hop. Donc je fais ça tout autour, puis même si c'est pas droit, j'aime bien aussi. Donc voilà, ça fait un effet, on va dire, naturel. Voilà. Mais au moins, ces pochoirs, ça nous aide aussi. Si on veut en faire plusieurs, je trouve que c'est sympa. Voilà, ensuite. Et puis, on y va plus vite, quoi. Après, j'ai envie de vous dire, on n'est pas obligé de faire tout ce qu'il y a sur la pochoir. On peut faire autrement. Hein. Si j'ai pas envie de mettre tous ces petits rectangles, je peux sauter un sur. Ouais, enfin bon. Après, voilà, moi je vais les faire. Je vais tous les faire. Voilà, pour vous montrer comment je vais coller donc mon papier
donc mes serviettes à l'intérieur. Donc là, je pense que j'ai tout fait, il me semble. Oui, très bien. Là, je vais rajouter un peu de noir. Voilà, on voit bien. L'appareil, hop. Là, je ne sais pas si on voit bien. Ça m'a l'air bien. Allez, voilà, je m'arrête là. J'enlève mon washi, mon scotch de masquage. Voilà, comme ceci. Et ça, je les garde toujours de côté. On a toujours besoin. Donc, voilà. Ça, je vais nettoyer. J'ai mis du noir dessus. Je le nettoierai après. Donc, une fois qu'on se retrouve comme ceci, ça, je vais le mettre de côté. Si j'ai envie, de, par exemple, de décorer ce carré avec donc ce papier, je vais venir donc mettre ça de côté. Voilà. Et je vais venir prendre une serviette. Comme ceci. Là, la serviette, je vais venir enlever. Donc, une. Je crois qu'il y en a trois, il me semble. Ah non, deux. Ah, tout à l'heure, il y en avait trois sur un papier. Bizarre. Donc, voilà. Une fois que j'ai ça, je prends donc ma serviette. Je vais venir ici reprendre mon pochoir. Et par exemple, si j'ai envie que, voilà, je veux coller cette partie, je vais venir comme ceci. Alors, attendez, je regarde lequel, parce que j'en ai fait un déjà. Mais là, je voulais le faire avec vous. Ouais, je vais venir coller ici, couper donc cette partie du haut. Voilà. Ensuite, je vais venir vous savez quoi, je vais déjà couper ça et ça et ce côté là ouais et ça ouais. Bon, alors il suffit tout simplement de positionner votre pochoir. Vous venez ici, voilà, essayez de, voilà, de prendre au moins un donut comme ça, complet. Allez, on va faire comme ça. Et là, je viens tout simplement prendre mon repère comme ceci. Voilà, là c'est peut-être un peu, il faut que je mette c'est pas grave. Voilà, puis je bouge en plus. Parfait. Toi, tu vas aller là. Et hop. Donc normalement, c'est bon. Je dois avoir, ouais, le rectangle. Ensuite, j'ai dit, oh, je vais prendre cette partie. Alors cette partie, j'ai envie de rose. Ici, je vais venir couper là également. Ok. Comme ceci. Ok. Alors, comme j'ai pris celui-ci, je vais venir prendre cette partie. D'accord. Donc cette partie là, donc il y avait du jaune. Là, il y a du rose. Je vais prendre du bleu. Ouais, du bleu et du jaune. Et je regarde. Je regarde avant. Oups, qu'est-ce qui se passe? Donc du jaune, du rose et du bleu. Ah, oh, bah décidément, j'aime. Voilà, comme ça. Parfait. Et je prends donc cette partie. Donc, pareil, je vais faire mes repères pour venir couper tout ça. Voilà, je crois que je vais en faire que trois, parce qu'après, je veux aussi travailler sur mon papier. Alors, je mets ça de côté. Je vais venir prendre donc ma paire de ciseaux et je vais venir, voilà, détourer, couper ce que je viens de faire avec vous. Donc, ah oui, et puis là pour le coup, mais c'est pas gênant. Vous savez, normalement les bords, je les prends jamais parce qu'il y a, vous savez, ça fait comme de l'embossage. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, c'est très joli aussi. Donc, c'est pas grave. Voilà, une fois que j'ai fait ça, c'est pas grave.
Et puis ça se voit pas une fois collé en soi. Alors je viens donc découper tout ça. Je vous mets en vitesse rapide, d'accord? À tout de suite. Ah bah voyez, je savais bien qu'il y en avait trois. Bah oui, ben oui. Je savais bien. Allez, je l'enlève. Voilà. Il faut vraiment garder que cette partie. Donc les deux papiers qui sont en dessous, il faut les enlever, d'accord? Donc voici, alors ça vous les gardez bien évidemment, c'est pas perdu, on peut venir voilà faire plusieurs moodboards et utiliser sur le thème gourmandise. Voilà, je trouve que ça c'est à garder précieusement. Donc une fois qu'on a découpé, je viens reprendre donc mon moodboard comme ceci et voyez, je vais venir tout simplement coller cette partie à ce niveau là, d'accord. Ensuite celui-ci, on avait dit ici, ok, et celui-ci ici, voilà, c'est parfait, et ça suffit, voilà, je vais pas, ou peut-être un là, et un là, ouais, on fait ça, bah oui, ouais, je vais en faire un là et un là, ok, un là et un là. Donc on va venir coller. Je mets ça de côté. Je prends donc de la colle toute simple, voilà, hein, la colle blanche, un stick, et je vais venir tout simplement ici mettre de la colle comme ceci. Alors j'essaie de faire les coins, hein, surtout, c'est important pour que le papier adhère bien sur la colle et sur le papier aussi. Voilà, une fois qu'on a mis la colle, c'est tout simple, hein, on colle. Alors, je me mets bien. Oh là, j'ai mis mes mains. Oups. Alors, je me mets bien. Hop. Comme ceci. Et je viens délicatement. Oups. Voilà. Je m'aide avec mon doigt pour venir. Voilà. On s'aide avec notre doigt pour bien étaler donc la partie et regardez et voyez le côté embossé là, ben, je trouve que c'est pas gênant et puis que ça fait son petit charme également, donc voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. J'ai peut-être pas collé là. Non, j'en ai pas mis assez. Je vais essayer de m'aider avec mon doigt. Je l'ai pris sur mon doigt. Nickel. Et là, hop. Ouais, les bords, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que je vienne prendre mon pinceau en silicone. Là. En fait, vous voyez, avec ce pinceau, venir mettre un peu de colle là. Et comme ça, ça dépasse pas sur le côté. Bon. Alors ensuite, je vais donc venir coller donc cette partie également. Ok, comme ceci. Parfait. J'adore. Ouais, j'adore.
Donc là, je vais mettre de la colle au centre et je vais venir m'aider avec le pinceau pour pas déborder non plus. Parce que là, vous voyez, il y en a un tout petit peu. Je vais venir l'enlever après avec la gomme magique. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, je ne vais pas le faire dessus parce que c'est encore frais. Et après, j'ai peur que ça me tâche avec le feutre, vous voyez. Donc là, hop, j'essaye de ne pas dépasser et de l'étaler. Hop. Là, pareil, parce que ça va être assez c'est délicat, vous voyez. Voilà. Donc le mieux c'est vraiment coller avec avec ça, hein, avec un stick, hein, parce que avec la colle qu'on connaît de chez Action, celle-ci, c'est pas bon parce que ça va venir gondoler, ça va froisser, ça va faire comme un effet de froissage. Ça se dit ça? Oui, bon, bon. Et ben c'est joli, moi j'aime bien quand c'est froissé, mais pas pour cette création. J'ai pas envie que ça se. Ça fait effet froissé, vous voyez. Donc voilà, normalement, je dois être bon. Je vais mettre ça là pour éviter. Et là, par contre, on va y aller. On va y aller doucement. Hop. Essayez de bien le placer comme ceci au bord. Donc, une fois qu'on a collé ceci, avec du mal pour le coup, là, je vais prendre donc celui-ci en rose et je vais venir donc le coller ici. Donc là, je pense que j'aurai pas de problème puisque c'est, voilà, un petit carré qui est facile à coller. Hop. C'est vrai que dès qu'il y a un cercle et tout ça, c'est plus difficile, mais bon, après, il faut prendre le temps. Comme je filme, j'essaye de faire vite aussi, mais en soi, faut prendre son temps. Même si la vidéo dure longtemps, bah, on passe un bon moment ensemble. On est d'accord? Voilà. Allez, c'est parti. J'essaie de, voilà, de caler tout ça. J'ai dépassé un petit peu de ce côté, mais c'est pas un souci. Voilà. Allez, donc surtout bien mettre le donut dans le bon sens, non pas à l'envers, hein, puisque voilà. Et là, je viens, je commence ici en général par le bas pour m'aider à. Voyez, hop. Je décale encore un petit peu. Encore un petit peu. Alors, et là, j'aime. Voilà. Et là. Comme ceci. Parfait. Puis comme il y aura des choses aussi par-dessus, donc je pense que. Voilà, on verra rien du tout. Oula. Parfait. Bon, allez, tu vois, je m'arrête là. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, là, je m'arrêtais là. Je vais faire juste les deux petits carrés, là. Ce que je vais faire, bah, c'est le même principe, hein, vous savez. Donc, je vais prendre... alors là, j'ai mis du jaune, du rose, du bleu. Bah, écoutez, on va mettre du rose, vous savez que... Alors, je vais mettre le rose ici pour voilà ici et là je vais mettre un marron. Allez, voilà, on va faire ça. Un marron et un rose. J'ai dit un marron et un rose. Donc je vais prendre, vous voyez, toujours garder ceci. Ça se garde, et oui. Donc je vais prendre un rose
comme ceci. Je reprends. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Alors, je vais venir prendre donc le rose comme ceci. Hop, hop. Hop. Et j'ai dit le marron. Allez, le marron. On va le marron juste au-dessus. Ensuite, comme ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et je vais venir couper. Donc là, je coupe. Alors ensuite, une fois qu'on est venu couper, je vais venir coller donc cette partie ici. Voilà, ce donut en rose. Et en marron, je vais venir le coller ici. Voilà. Et je pense que ça suffit. Ouais, je pense que ça suffit. Il y a assez de donuts. Puisque là, j'ai envie de voilà, vraiment travailler avec de l'aquarelle, faire mes petits tamponnages, etc. Alors, je vais venir coller. Allez, c'est parti. Parfait. Donc là, on étale bien pour que tout soit bien. Oh, j'ai oublié de gommer. On voit le... Oh, zut. Vous voyez là, on voit la croix. Bon, c'est pas grave, je viendrai coller par-dessus quelque chose. Donc là, je vais pas faire la même bourde. Je vais venir gommer tout ça. Oh là 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 là. Mais Jem, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, en même temps, hein, c'est bon. Hein. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Comment je peux oublier ça? Comment? Alors, je disais que je voulais tester sur ça. Je mets de la colle. On va voir. Attendez, je mets de la colle sur le papier. Voilà, je me sers de ma petite plaque en verre. Et voilà. Mais c'est pas grave, c'est déchiré. Mais on peut toujours récupérer. C'est pas un souci. Donc voilà. Tout est récupérable. Vous voyez? Même si c'est déchiré, rien n'est perdu. Voilà. Et là, vous voyez. Ça se voit plus, ça ne se voit plus, presque. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est éventuellement si vous avez du vernicole, le passer aussi par-dessus pour que voilà, il y ait une petite brillance, ça peut être sympa également. Donc là, vous voyez, je vais essayer de faire ça, en mettre là. Là, ça s'est un petit peu décollé, j'en ai pas. Il faut vraiment coller les coins aussi, hein, c'est important. Bref, c'est que du collage, on veut tout dire. Donc là, je vais m'arrêter là et je vais venir voilà, chercher mes petits tampons et venir tamponner tout ça. Et ensuite, je viendrai faire du coloriage. Hein. En soi, le coloriage, je le mettrai en vitesse rapide pour que voilà, ça soit pas trop long aussi pour vous, mais que vous passez un bon moment avec une petite musique douce. C'est voilà, c'est relaxant.
On y va, c'est parti. Allez, je vais nettoyer mon pinceau, ranger un petit peu ce que j'ai dérangé là, et je reviens. À tout de suite. Alors, j'ai pris donc ma boîte avec tous les tampons de chez Cannelle et Citron sur le thème gourmandise. J'ai pris cette planche également, voir, voilà, par exemple, le nounours avec la part de gâteau. Je sais pas, je vais voir. Après, j'ai cette planche de die cut à venir détourer aussi. J'aimais beaucoup le petit panda là avec la religieuse. En soi, bon, là, c'est des die cut, mais bon, voilà. Il y aura un intrus. j'aime beaucoup peut-être le mettre au milieu, au centre, ou je verrais bien le petit tigrou là, voilà, au milieu. Je sais pas, ou si je le tamponne et je viens le. Je sais pas. Après, j'ai le tampon aussi, hein, je peux venir le tamponner. Là, je vais prendre les sentiments. Double dose de friandises, la crème de la crème, avoir une fin de loup, panda party, danse de la joie, chantilly. Après, bon. Je peux pas, j'ai chocolat. Oh, ça peut le faire, ça. Bon, bah, vous savez quoi, je ne sais plus quoi faire avec tout ça. Bref, j'ai envie de découvrir en fait. J'aimerais bien mettre soit le tigrou au centre. Bon, je vais venir détourer tout ça et je reviens. Ouais, je vais faire ça. Je vais venir couper ça. Oh là là. Ça m'embête parce que je voulais tamponner et le faire moi-même. Non. Non. Je vais tamponner. Ouais, je vais faire ça. Je vais venir le tamponner. Donc, il est où, mon petit tigrou? Il est là. Très bien. Ouais, je vais faire ça. Et je vais venir... Après, on prend les couleurs. Et venir aquareller. Et faire ça. Alors, hop. Donc, je vais venir ici. Donc, ça va dépasser un petit peu, même si... Je vais faire ça. Je vais même mettre du washi ici pour éviter que ça dépasse. Je préfère que ça coupe que. Vous voyez, il faut vraiment mettre de la colle. Voilà. Les coins, c'est vraiment important, vous voyez. Parce que sinon. Alors, si je. Monte un peu ça. Voilà, même si j'ai pas la toque, ce qui est dommage, que j'aurais bien aimé avoir la toque. C'est pas grave, c'est pas gênant. J'ai envie d'avoir les pieds, les petites pattes, pardon. Ouais, on va faire comme ça. Allez, je vais prendre ma plaque acrylique. Ok. Alors, je vais mettre ça de côté. Et je vais venir tamponner donc avec de la Versafine. Hop. Et tamponne vraiment super bien. J'essaie d'en mettre un peu partout. Parce que, enfin, c'est pas que j'essaye, c'est qu'il faut qu'il y en ait partout. Parce que là, j'ai pas pris ma plaque où je peux venir repositionner s'il manque de l'encre. Donc là, pour le coup, il faut vraiment que je sois... Attendez, que je n'abîme pas mon papier. Donc j'avais dit... Parfait. Je vais m'aider avec ça. Parfait, bah c'est bingo. Parfait. Donc voilà, voyez. Et ensuite, je vais enlever mon washi. Comme ceci. Oh, bah écoutez, c'est parfait.
Et là, à l'aide de mon feutre, je viens, voilà, comme ceci. Et ben, ouais, je peux même accentuer ici, si je veux. Voilà. Et je viendrai donc colorier tout ça. Ok, là, je vais peut-être mettre un sentiment, je sais pas, je verrai. Là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais nettoyer ça. Mais ouais. Oh, pardon. Voyez, ça y est. Je pars en vrille. Désolée, vraiment pour le bruit. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, mon éponge est là. Hop, je nettoie. Donc là, j'ai mis. Ouais, c'est que de l'eau que j'ai mis. Ouais, c'est là. Ouais, c'est l'eau. Donc. Après, vous pouvez nettoyer avec de l'eau écarlate. En soi, l'eau écarlate, ça se nettoie super bien. Mais après, il faut donner un coup d'eau avec du savon, justement, pour enlever l'effet un peu collant. Vous voyez? Donc, voilà pour ça. Et ça, j'aimerais bien le mettre là. J'aime bien. Ouais. Je mets sur le côté, comme ça. Et faire une bande de couleur. Sur le côté, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'ai pas envie qu'il, ouais, qu'il soit rapproché. Ouais, je vais faire ça. Allez. Alors, je vais mettre donc mon petit panda ici. Je vais le mettre comme ça. Ouais, au plein milieu. Non, un peu plus. Ouais, sur la gauche. Comme ça, je viendrai mettre un petit sentiment. Sur le côté, mais voilà, je voudrais que la religieuse soit droite et le panda un petit peu en biais. Ouais, ça peut le faire, hein, ça peut le faire. On fait ça, allez, on fait ça. Hop. Je mets de l'encre, toujours la Versafine. Je pense qu'il y en a assez, hein. Là, j'en ai mis, hop, sur ma plaque. Ouais, je pense que c'est bon. S'il faut, je remettrai de l'encre. Donc là, je range ça parce que j'ai peur de tâcher. Il faut que je nettoie les bords de la boîte, là, parce qu'il y a plein d'encre autour. Allez, on y va. Je descends un petit peu. Ouais, donc je dis, je me mettais comme ça. Ouais, je vais faire une bourde, je vais faire tomber ça. Je vais tâcher mon papier, moi, plutôt. Alors, j'arrête et j'y vais. C'est parti. Hop. Bouger. Nickel. Vous voyez là, il y a un peu de blanc. Je n'ai pas mis assez, mais c'est pas grave. Je vais venir rajouter de l'encre noire. Oups, je nettoie. Hop, je mets ça là. Et voilà. Voilà, voilà. Et puis je vais venir mettre un petit protège. Voilà, ça va le faire, hein, une fois colorié tout ça, aquarellé, ça va le faire. Vous voyez, comme quoi qu'avec même du papier, enfin du papier, des serviettes, pour faire du serviettage en soi, et ben c'est top pour venir aussi réaliser un moodboard avec. Je trouve ça superbe. Voilà. Alors, c'est peut-être pas fini, pourquoi je range ça?
Désolée. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je regarde parce que je voudrais bien me servir de tout ça là pour faire un petit mood board sympa. Le petit nounours ici sur le côté ou là. Parce qu'ici je vais faire une bande blanche que je vais coller, donc on verra plus les donuts en soi, mais je voudrais marquer ici gourmandise. Il faut que j'aille chercher le tampon et faire mon étiquette aussi. Donc l'étiquette et le tamponnage gourmandise, je le ferai à part et puis je viendrai bien sûr vous le montrer parce que je pense que la vidéo va être très très longue. Là, je n'ai rien prévu, c'est juste, voilà, je voulais vous montrer avec les serviettes qu'on pouvait faire et réaliser aussi voilà, un mood board avec et... Ah, c'est chiant d'être comme ça. J'espère que ça vous embête pas, mais voilà, je réfléchis et puis en même temps, bon, bah, j'essaye de voir ce que je vais pouvoir mettre. Bon, la danseuse, le bonbon, le petit renard là, peut être sympa aussi. Oh la loue, la loue, la loue. Bon, bah écoutez, il y a un donut là, il y a un petit donut. Eh ben, je vais déjà, ouais, tiens, pas qu'à faire. Je vais venir tamponner le petit donut qui est trop choupi en plus. Il est trop mignon. Il est tout petit. C'est dommage qu'on l'a pas. Hein. Voyez, hop. Et ben voilà, je vais le. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, il y aura un sentiment. Et un sentiment ici. Voilà. Et le donut ici. Parfait. Alors, je vais prendre. Et ben voilà, comme quoi. Hop. Oh bah si je mets les doigts dessus, bah ça le fait pas, John. Bah oui. Bah oui que ça fait pas du tout. Oh, regardez ça. Que des bêtises. Que des bêtises. Quand tu n'es pas là. Quand vous n'êtes pas là. Si là pour le coup, quand vous êtes là, je fais des bêtises. Allez, allez. Ça y est, je pars dans mon délire là. Ah, à côté, ça bricole. Je ne sais pas si vous entendez. Allez, check. Alors, on y va, tac, tac, tac. Mon petit donut. Et voilà, j'étais sûre. Alors, je vais essayer, mais je ne garantis pas que si. Voilà. Oh, parfait, Jim. Voilà, j'ai retamponné dessus parce que cette partie qui était là n'était pas bien tamponnée et là pour le coup, parfait. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que je m'en sors bien là, c'est bien. Allez, je vais donc réfléchir à ce que je vais mettre sur les quatre cases qui restent, sans compter les petits là avec les sentiments, ou alors je vais venir tout de suite voilà mettre les sentiments comme ça, mais après je sais pas ce que je vais faire à côté. César, c'est ça le problème. Et ouais, c'est ça. Oups, c'est ça. Je vous parle, je range en même temps, hein. Ça ne dérange pas, ça va. Ouais, qu'est-ce que je vais donc. C'est ça comme ça. C'est compliqué tout ça. Et attendez, je vais. Voilà, enlever le blanc déjà. En même temps, ça m'aide à réfléchir avec vous. Ah, c'est. Je sais pas. De toute façon, je vais venir déjà colorier, ça c'est sûr. Ensuite, hop, et de la colle. Faut que j'enlève tout ça. Vous voyez, c'est fou, hein.
Alors, je vais prendre la petite souris. Donc, voilà, je vais venir prendre ce tampon. Et je rallume un peu parce que j'ai l'impression qu'il fait sombre. Pas vous. Je vais faire ça. Par contre, je vais pas vous mettre... voilà. Et je vais venir tamponner ma petite souris ici. Alors, par contre, là, je vais venir mettre un petit bout de washi. Comme ceci. Voilà. Ici. Même si on voit passer le bas, c'est pas un souci tant qu'on voit. Puis là, c'est pareil, c'est pas grave. Bon, c'est dommage que. Ouais. Je baisse un tout petit peu. Comme ça. C'est dommage, hein. Je le mets comme ça. Donc là, il faut que je le mette comme ça pour le coup. Sinon, je mets le... ouais, plutôt le sentiment ici, puisque... J'aimerais mettre un petit sentiment ici. Bah écoutez, c'est parfait. Allez. Voilà. Je vais mettre l'encre toujours pareil. Hein. Parfait, voilà. Ensuite, je vais venir enlever ceci. Et bien, écoutez, ça commence à prendre forme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça super joli. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, je regarde. Est-ce que je mets un petit nounours ici? Oh, j'aime bien. J'aime bien celui-là avec les petits bonbons. Ah, je vais mettre les deux. Allez, je vais mettre les deux. Côte à, ouais, à côté, c'est parfait. Je vais mettre donc celui-ci que j'aime bien. Voilà, ici. Voilà, les deux petits amis. Et ça, ici. Comme ça. Oh, ça va le faire. Oh, que ça va être trop choupinou. Donc lui, on va le mettre comme ça. Et lui, genre au bord, ils sont bien assis là, quitte après à faire ouais, je sais ce que je vais faire après. Bah écoutez, moi j'aime bien comme ça, et puis pareil, je mettrai un petit sentiment, je vais voir ce que je ouais. Tiens, et je vais même mettre un petit fanion là sur le côté comme ça, comme ceci. Comme ça, parfait. Allez, on prend tout. Nickel. Alors, je me pose la question si je laisse pas en noir et blanc, mais bon, coloré, c'est plus.
Alors, j'ai une petite idée là qui m'est venue. Enfin, une idée, c'est pas une idée, mais comme je vous ai montré les feutres que j'ai achetés donc chez Action, je vais venir m'en servir. Je vais pas faire, je vais pas aquareller. Je vais me servir, voilà, des feutres que j'ai achetés donc chez Action. Et comme ça, ben, voilà, je vais venir colorier. Allez, c'est parti. Donc là, ah oui, alors là, pour le coup, faut vraiment. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas grave ce que je vais faire après. Je viendrai ici. Voilà. C'est parfait. Bon, là il est bien noir pour le coup, là j'en ai mis trop, mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave du tout, rien de grave, on est d'accord. Alors, est-ce que vous passez un agréable moment avec moi, avec ma compagnie? En tous les cas, moi, comme je vous dis, j'adore voilà, faire des petites créations et passer du temps avec vous et partager, voilà, nos plaisirs de créer, plaisir de partager, plaisir de voilà, de passer de bons moments, ouais, de bons moments, que ouais, ça nous fait du bien de partager de bons moments sur ma chaîne. Et ben, j'espère que ça vous plaît, voilà. Allez, on continue. Donc je trouve ça super choupinou, regardez ça, trop mignon. Bon là, hein, on dit rien, hein. Alors là, ce que j'ai envie, c'est tout simplement, voilà, faire ceci pour faire croire qu'ils sont assis sur, voilà, assis, voilà, comme ceci. Là, je vais peut-être rajouter ici, mais là, pour le coup, c'est gros, donc je vais grossir un petit peu, comme ça. Oh là là, j'en ai trop mis, c'est n'importe quoi. En même temps, c'est un fanion, hein. Voilà. Et là, je vais peut-être... allez, je vais mettre des petits nœuds. Voilà, des petits nœuds comme ça. Tac, 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 tac. Et tac. Voilà. Bon, après, on verra quand je vais venir colorier. Ben moi je trouve ça sympa. Bon, je vais venir mettre les sentiments ou pas encore, ou je sais pas ce que je vais mettre. Vous allez me prendre pour une folle. Bref, bref, bref. Ben écoutez, je trouve ça sympa. Bon, je vais donc maintenant mettre ici, j'ai des sentiments ici, je pourrais couper. Non, j'en ai, pourquoi je m'embête. Allez, je vais commencer à mettre des sentiments. Danse de la joie, double dose de friandise. Ici. Voilà. Ici, je vais mettre double dose de friandise. Ça, c'est fait. J'ai encore plein de confettis là. De cannelle et citron dans les petits sachets. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Et je me rappelle déjà plus, non, mais c'est un truc de fou. Je peux pas. J'ai les chocolats. J'ai quoi? Ah oui, double dose de friandises. Ah ouais, non, c'est trop petit. Ah, ceci, zut. Ou alors là. Oui, si, ça peut le faire. Ici. Double dose de friandises, ça le fait. Allez. Hop. Ici. Oh là là, comment je m'y prends? Vous voyez là, il faut que je nettoie vraiment. Puis après, je m'en mets partout. Je crois que je vais me faire une petite pause. Mais vous, vous verrez rien du tout. Je vais faire une petite pause, je vais me faire un café
et puis je reviens, hein, parce que j'ai vraiment envie de faire une petite pause. Allez, je pense que c'est bon là. Alors si je m'y prends, que je le tamponne pas à l'envers non plus. Là, ça y est, je sens que je suis un peu fatiguée, donc je vais faire une petite pause. Et... oh, il n'y en a pas assez, là, je vois qu'il n'y en a pas assez, là. Oh là là, j'ai bien fait d'en remettre. Voilà, et puis je vais aller me laver les mains, j'ai les... regardez l'état des mains. Oh, et puis si je tâche mon board, alors là, je suis pas dans le caca. Voilà. Hop, double dose de friandises. J'adore. Allez, on se retrouve tout de suite. De toute façon, vous verrez rien, ok? Je fais vite. Alors, me revoilà. J'ai fait ma petite pause. J'ai bu mon petit café. Et je vais venir... oh là là, ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais venir mettre du noir. J'ai pris donc le tampon. Je peux pas, j'ai chocolat. Donc, je vais venir voilà, le tamponner. Juste là, ok. Donc là, je reprends mon encre. Voilà. Oh zut, c'est pas vrai, Jem, qu'est-ce que t'as fait? Bon, bah écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais des bêtises, ça arrive, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Bon, je vais trouver une solution, c'est pas grave. Je vais trouver une solution... Bon, bah écoutez, vous savez quoi, je vais faire des tâches, voilà, des tâches de chocolat, je vais essayer de, voilà, j'ai pris dans cette planche, toujours de chez Canal et Citron, voilà, j'ai pris ça, j'ai pris cette tâche, bon, c'est plus des tâches d'encre, mais bon, voilà, pourquoi pas, ouais, je vais faire ça, puis je vais en mettre ici, comme quoi que c'est, ça fait comme des tâches. Voilà, allez, je vais faire ça. On essaye de trouver les solutions, on a toujours. Dans le scrap, on essaye de vraiment de... Bref. Oh là 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 là, vraiment. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Alors, comme c'est du chocolat, je vais essayer de prendre ouais, une vintage photo, que ça a été vintage. Ou alors, ouais, mais non, je préfère... On va voir ce que ça donne. Allez. Ah, c'est pas possible. Non, mais vraiment, vraiment. Ah oui, mais si. Je fais n'importe quoi non plus. Attendez, je regarde. Ah oui, mais c'est ça. Ah oui, puis après, je vais venir... bah oui, je suis nulle. Bon. Alors, je vais prendre ça. Je vais faire des tâches comme ça. Et je vais venir après voir ce que ça donne. Comme ça. Hop. Vous voyez, je vais venir colorier l'intérieur. J'aurais pu le faire en noir, mais mon chocolat en général, hein, je peux pas, j'ai chocolat, voilà, c'est du chocolat au lait. Du chocolat au lait. Oh là là, mais j'ai... d'accord, je vous dis que des fois je suis un peu voilà, comme ça, et on va essayer de rattraper mes petites bêtises. Ouais, on va faire ça. Je vais prendre... je vais ranger ça, juste histoire de... ça, je garde ça. Hop. Ça, il faut que je nettoie. Attendez, je vais nettoyer ça après. Je mets de côté. Je vais venir utiliser ma planche. Enfin, ma plaque acrylique. J'aurais pu utiliser ma plaque, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu d'eau. Voilà. Je vais prendre un pinceau aquarelle. Et on va faire ça de suite. Voilà. Ouais, on va voir le noir aussi. Ah, bah oui. Bah ça, c'était sûr même. Mais bon. Vous
Et il faut qu'il soit plus sombre. Je vais prendre de l'aquarelle. Ouais, je vais prendre de l'aquarelle. On va laisser sécher. Ouais, je vais prendre du marron vraiment plus, plus marron. Là, ça fait plus caramel qu'autre chose. C'est pas grave. Hop, on va faire ça. Alors, quand je vous dis dans le scrap, on trouve toujours des solutions à nos bêtises. Alors, si je vous ai fait peur en criant, j'en suis désolée. Mais c'est. J'aurais dû faire ça à la fin. Bon, on voit pas trop. Je vais même ici, ouais. Bon, par la suite, ouais, je vais faire ça. Je vais rajouter un peu de. Là, de tâche ici. Eh ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire que, que ça le fait. Mais je vais venir foncer tout ça parce que je trouve que. Ouais. Voilà. Un petit peu là aussi. Comme ça. Je vais laisser sécher un peu. Parce que là, pour le coup, on voit le trait noir. Mais ça va, ça le fait. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vais venir le foncer un peu plus. Je vais en mettre. J'attends que ça sèche. Ouais. Je me répète, hein, je sais, désolée. Au final, vraiment, vaut mieux voilà, faire vos carrés, rectangles, tout ça, en crayon papier, une fois que vous avez fait tous vos, voilà, vos tampons, vos collages et tout ça. Et là, venir après avec un feutre noir. Mais bon. En général, je fais attention, mais là, ça m'a glissé les mains. Et ouais. Bon, bah écoutez, on va laisser ça comme ça. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Même si on voit le. Voilà, le noir, là, c'est pas trop gênant, j'ai envie de vous dire. Ouais, là, hein. Ok. Je rajoute encore. Mais bon, il faut que ça sèche, normalement. De toute façon, j'aurais beau remettre par-dessus. On va voir le trait, donc. Voilà, au moins. Ça le fait. C'est ma faute, hein, mais ouais. J'aurais dû faire plus attention. Je vais venir ici tamponner. Donc là, il faut vraiment que je fasse très attention. Je vais reprendre une autre plaque. Voilà. Et je vais venir mettre un autre sentiment. Donc là, c'était je ne peux pas. Je peux pas. J'ai chocolat. Là, je vais voir qu'est-ce que je peux mettre ici. La crème de la crème. Ouais. La crème de la crème. Si j'aurais bien voulu mettre chantilly à volonté. Allez. Je vais mettre ici chantilly à volonté. Voilà. Chantilly à volonté. Et je vais le mettre au milieu. Voilà. Des fois on n'a pas besoin. Ouais. Au milieu. Puis je viendrai mettre. Des petits bonbons sur les côtés. Allez. C'est parti. Non. Je vais pas le mettre là. Vous voyez, je suis indécise. Hein. C'est comme ça. J'ai dit que je mettais les ouais, chantilly à volonté ici. Donc là, il faut que je fasse attention. Hein. Allez, 1, 2, 3. Hop, parfait. parfait.
qu'est-ce que je vais prendre pour ici? Bah, ça commence à prendre forme, j'ai envie de vous dire. Alors, la crème de la crème. Je verrais bien ça ici, plutôt, la crème de la crème, parce que là, je trouve que... Ouais. Non, la crème de la crème. Ou alors... Ici, je mettrais des petits bonbons, et là, je mets la crème de la crème ici. Voilà. Et qu'est-ce que je peux mettre? Chantilly à volonté, je l'ai mis. Je vais le mettre ici, la crème de la crème. Hop. Donc, la crème de la crème. Allez. J'ai failli faire tomber encore. Parfait. Nickel. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien là. Oh, je suis déçue. Bah, j'ai eu une petite coupure. Ça n'a pas chargé ce que je faisais. Donc, je suis venue avec un tampon. Voilà, celui-ci de chez Action qui date de Mathieu. Je suis venue tamponner ici le bonbon. Et puis après, j'ai pris la planche de chez Cannelle et Citron. Pareil, des petits bonbons. Des petits confettis là, des petits serpentins, je pense que ça s'appelle comme ça, je crois, dites-moi. Et je suis venue avec la planche de chez Cannelle et Citron. Voilà, j'ai coupé ce sentiment que je vais venir coller ici. Je suis déçue. Bon, c'est pas grave, au moins la vidéo, elle sera encore moins longue, j'espère, du moins. Mais bon, allez, c'est comme ça, on n'y peut rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai aussi collé cette partie, je ne sais pas si ça a été enregistré ou pas. Je verrai pendant le montage, bref. Voilà. Ensuite, je crois que je vais laisser comme ça. Je vais juste faire des petits aiguilles et je vais venir aquareller. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Puis après, je vais venir colorier. Je vais commencer le coloriage avec vous, puis après, je vais arrêter et je viendrai vous montrer tout ça à la fin. Une fois que tout est colorié. Ouais, parce que sinon, je sens que la vidéo, vous allez en avoir assez, on va dire. Allez, je viens coller ça. Allez, c'est parti. Et puis, il faut que j'arrête avec mes allez, hein, n'est-ce pas? Oh là là, je vous dis pas. C'est. Bon, je vais utiliser ma petite colle. Voilà. Comme ça. Allez, hop. C'est énervant quand ça coupe. Tout ça pour un appel. Et. Oh, ça m'ennuie. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez un petit peu le principe, hein, vous voyez un peu ce que j'ai fait. Voilà. Allez, on vient coller, je vais essayer de centrer ça au milieu, comme ceci. Voilà, je l'ai coupé un peu, vous voyez, un peu en vague, on va dire ça. Voilà, c'est joli. Allez, c'est bon. Ensuite, je voulais prendre... Allez, ça y est, mon bureau, il déborde, ça y est, c'est le bazar. Hop, on range ça à sa place. Hop. Ça aussi, ça, je l'ai nettoyé, je le range. Oula, le petit gougoui, là, il faut que je le range. Je vais le perdre, sinon. Vous voyez, je l'avais tamponné, bon, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, il sait où? Là, voilà, il y en avait deux, d'accord, mais bon, j'en ai pris. Allez, c'est parti. Je vais prendre mon feutre qui est là et je vais venir faire des trucs comme ça. Là, j'aime bien. Alors là, c'est pareil, je voulais faire ça.
Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est un peu chargé, mais voilà, une fois que ça va être colorié, ça va, ouais, ça va donner. Donc, j'y vais. Alors, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ça. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je vais la ranger après. La boîte, je l'enlève, je la mets là. À côté de moi, ça aussi, il faut que je range dans la boîte. Et je vais venir prendre donc ces feutres que je vous avais donc partagé lors de mon haul. Ok. Ah oui, j'avais zappé, je vous avais pas montré. J'avais racheté des autres pinceaux. Et il était au fond du sac, je ne vous l'ai pas montré. C'était donc chez Action. Bref, c'est pas grave. C'est pas les mêmes en plus, c'est pas les mêmes. Ce qu'on a eu il y a un moment. Là, vous voyez, c'est très lisse. Et là, c'est du bois et ça a été juste repeint dessus. Ouais. C'est pas tout à fait les mêmes. Les couleurs, vous voyez, celui-là, il est un peu plus soutenu. Donc, voilà. Je vais me servir de ça éventuellement. Si je fais. Je sais pas, je vais voir. Bon, allez. Je vais faire déjà la petite souris. Allez. On va prendre donc cela. Et je vous mets en vitesse rapide et je vais arrêter, puis je viendrai vous montrer à la fin le rendu une fois terminé. Ok, allez, c'est parti. Alors, je vous montre mon mood board une fois terminé. Voici. Alors, je suis venue prendre du stickers. Vous savez, ceci que j'utilise énormément dans mes créations. Donc, c'est des petites paillettes qui est très, très jolie. Et ça habille, voilà, les créations qu'on réalise. Voilà, on n'est pas obligé d'en mettre partout. Mais bon, moi, j'adore les paillettes. Donc, voilà. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai réalisé. Donc, au début, vous avez vu, hein, quand je suis venue, voilà, colorier... la petite souris. Ensuite, je me suis servi un peu d'aquarelle parce que ça allait plus vite en soi, j'ai envie de vous dire. Et puis, je trouvais que, voilà, c'était sympa aussi de se servir de l'aquarelle. Et j'adore ça, donc voilà. Et je vous dis, franchement, les feutres de chez Action, ceux-là, ils sont vraiment topissimes. Regardez l'effet de la couleur de la petite souris, vraiment top. Donc là, je suis venue marquer « Plaisir gourmand ». Ouais, je voulais mettre gourmandisme en final. Comme j'avais ce tampon aussi, j'ai trouvé sympa. J'ai dit, tiens, je vais mettre celui-là. Donc voilà, bah écoutez, puis la vie est une fête, la vie est belle. Donc profitons de la vie, comme je dis toujours, avant que la vie profite de nous. Donc voilà. Et bah écoutez, est-ce que vous avez apprécié ce moment et est-ce que vous avez aussi aimé ce moodboard, voilà, sur le thème gourmandise. Et je trouve... trop choupinou, ces tampons de chez Cannelle et Citron, vraiment top. Donc, je vais vous montrer celui que je vous avais fait en short, mais j'avais pas, voilà, j'avais juste montré, voilà, comment j'avais donc collé
ils sont, je les ai déjà rangés. Bon. Je les ai rangés, tant pis, c'est pas grave. Bon, les serviettes, voilà, les serviettes, je trouve que ça rend super bien. Et voyez, collé avec le bâton de colle, c'est vraiment top parce que c'est très lisse, c'est très c'est frais, quoi. Voilà, c'est beau. Donc, alors, pour celui-ci, j'ai utilisé donc le bloc paper die-cut book. Voilà, et donc j'ai eu utiliser les die-cut sur le thème donc de la cuisine, gourmandise, etc. Voilà, j'ai pris donc des die-cut et je suis venue donc les coller un peu partout. Voilà, en soi. Ici, là, j'ai pris le rouleau. Enfin, voilà, je vous laisse regarder la farine, le sucre, les œufs, le beurre. Voilà, et puis le petit livre de recettes, un petit gâteau en forme de cœur, le robot, enfin voilà, je vous laisse regarder. Donc, franchement, ils sont bien tombés, ces die-cuts. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo et vous la partager. Et j'avais aussi une petite idée, donc... voilà, vous savez que les ATC, ça existe depuis X temps, d'accord, ça fait un moment que ça existe en soi, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des ATC, mais en grand format, donc les appeler ATCGF.D, parce que j'aime, hein, voilà, j'aime, c'est moi-même, et je me suis dit, pourquoi pas, oui, ça serait sympa de faire, voilà, un moodboard en format A4, après, vous faites ce que vous voulez, même en soi, une création sur une feuille format A4 et venir donc la couper comme ceci en deux, donc pour faire vos quatre parties qui mesurent donc 10 sur 15 et ensuite les numéroter au dos et écrire ATCGF.D. Donc ATC grand format, je trouve ça sympa. J'ai trouvé, je dis tiens. D'ailleurs, quand j'avais fait mon haul mon dernier haul que je vous ai partagé, je vous en avais parlé et je me suis dit ça peut le faire. Donc en soi, bah, tout de suite après, j'ai fait un test parce que sinon après j'oublie. Donc je l'avais noté quand même sur mon carnet et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire ça. Donc j'avais commencé donc à coller donc mes serviettes. Donc j'ai fait du serviettage en soi, puis après je suis venue voilà faire le tour comme ceci, et puis je me suis dit bah, c'est top parce que vous voyez par exemple si je prends donc cette feuille et que je viens hop la mettre comme ceci, j'ai juste à couper au milieu comme ceci et venir les passer. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est le faire avec vous. Donc c'est vrai, vous allez me dire c'est dommage, mais en soi les quatre sera pour la même personne, voilà. Ou si vous travaillez que cette partie, voilà, un petit modèle et tout ça, et là un autre modèle, ça c'est pas grave. Mais si vous faites un mood board comme ceci et que vous venez le couper en quatre, oui, ça sera pour la même personne, on est d'accord. Après c'est vous qui voyez comment vous voulez travailler votre feuille en format A4 et venir le couper. Et je trouve que l'idée est super sympa. Et ensuite, voilà, si vous avez ce genre de choses comme ça, ou bien prendre, vous savez, les pochettes de chez Action avec la fuse, vous venez, voilà, faire vos pochettes, ça peut le faire également. Donc, on va tester, on le fait ensemble. Allez, ouais. Après, ça fait de la peine de venir le couper, mais je trouve que l'idée est sympa. Et en même temps, bah, ça permet voilà, d'envoyer d'autres formats aux copinettes avec donc au dos. Vous venez écrire ATCGF.D, oui, James Scrap, et ou DS comme vous voulez, mais D, bon, D ça suffit, on va pas se prendre la tête. Et puis écrire voilà vos. Ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc. Mais par contre, il faut les numéroter. Et comme ça, au moins, bah, voilà, pour la personne qui recevra donc votre ATC GF, et ben,
elle pourra en faire aussi collection et se les échanger. Je trouve ça top. Donc, eh ben, écoutez, là, pour le coup, ici, ça mesure combien? Donc, 21, je crois. C'est 20... 20... Ouais, 20... 20,9, à peu près. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Alors, celui-ci fait 20... pardon. Ouais, ça fait 21, on va dire. Donc, 21, ça va faire... 10,5. Donc, on va venir le couper à 10,5. Mais j'aurais voulu 10, moi. Ouais, ça va faire 10,5 à peu près. Bon, je vais faire un point. On va voir ce que ça va donner. Donc là, 10,5. Ça fait pas tout à fait 21. Mais bon, on va faire 10,5. C'est pas grave. J'aurais préféré quand même. Ouais. Bon, c'est pas grave. On teste, on verra. Bon, après, c'est sur le format A4. Ça fait quoi, format A4 de chez l'autre? Non, ça fait 21. Non, ils disent 21 sur 29,7. Donc, ça fait 21. Donc, on va couper à 10,5. Et là, donc, 29,7. Ça va faire 14. Attendez. Là, j'ai 29,5. Et là, ils disent sur le papier 29,7. C'est ma règle qui n'est pas bonne ou quoi? Non, je plaisante. Donc, on va faire 14,5. Ouais, 14,5. Donc, ouais, ça, ça, c'est ça. 14. Ok. Oh là là. Donc, là. Donc, là, j'ai dit combien? 10,5. À la base, je voulais 10 et 15. Mais c'est pas grave. On peut garder ses mesures, hein, en soi. Ouais, c'est pas grave. Allez, on garde ces mesures. Donc, on a dit 17 et... 17. Pff, damn. Donc, 10,5 sur 14,5. OK? Allez, on fait comme ça. Ça va me faire mal au cœur de diviser. Donc, par exemple, en mood board, on envoie les 4 pour la même personne. D'accord? Mais si vous faites, comme je vous ai dit, une création sur une grande page avec... voilà, vous pouvez déjà diviser donc vos 4 ATCGF. Et puis, voilà, commencer à faire une créa sur ça, une créa sur ça, une créa sur... ouais, vous pouvez voilà, faire déjà vos 4 parties et travailler sur la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie. Et après, les numéroter et envoyer une sur deux ou deux sur deux ou quatre sur quatre à votre copinette ou copineau. Voilà. Oh, ça me fait mal au cœur. Allez, j'y vais. J'y vais, j'y vais. On y va. Oups. Alors, attendez, je vais... Voilà. Encore un petit peu. Hop, voilà. Et ensuite, puis j'ai envie de vous dire... ouais, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Donc là, ça va être ici. Donc je me cale bien. Comme ceci. Ah ouais, là, je vais carrément... oh là là. Comme ceci. Hop. Donc là, oups, attendez, voilà, ça va faire ça, j'aime bien, ça change, ouais, et là, on va faire comme ça, et comme ça. Après, vous pouvez venir ancrer les bords, pourquoi pas, parce que, voilà, vous faites votre créa à votre sauce, hein. On n'est pas obligé de faire tous pareil, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, c'est trop bien. J'adore. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc, maintenant, on va venir... Vous voyez, je vous avais... Donc, ensuite, je vais venir vous montrer donc la pochette. Je vous avais partagé dans mon haul de chez Emma. Voilà. Et je vais venir, donc, hop, ici. Alors,
Voilà, ça rentre facilement, c'est topissime. Donc les mesures, c'est parfait. Bon, à la base, même du 10 sur 15, hein, voilà, vous pouvez mettre 10 sur 15, il n'y a pas de souci. Hein. Mais hein, c'est top. Ah, j'adore. Et là, on va pouvoir venir comme ceci. Et voilà, si j'ai envie d'envoyer ces quatre-là à une copinette, et ben voilà, c'est parfait. Et vous savez, vous pouvez venir couper ici. Voilà, pour enlever cette partie et l'offrir comme ça. Et aussi, alors attendez, c'est pas fini. Donc au dos, hein, vous faites comme une ATC, c'est la même chose. Vous venez écrire ce que vous voulez, le thème, la date du jour où vous l'avez créé. Ensuite, votre date de naissance. Ça fait un peu comme une Moridex. Voilà. Une ATC, bah voilà, en grand format. J'ai envie de vous dire. Et voilà. Donc, le rendu sur. Attendez, je vais éteindre. Hop. Regardez ça si c'est pas trop beau. J'adore. Et vous voyez, au dos, vous avez aussi donc ici des petites pochettes. Et là, on peut venir y rajouter des petits. Des petites créations, voilà, des petits die cuts, des enfin, ce que vous voulez pour venir offrir à votre copinette. Alors attendez, je regarde. Il faut bien que je le mette, voilà, qu'il soit face à face. Et ben moi, j'aime beaucoup. Oui, donc je disais, je reviens sur au niveau du dos là. Vous venez rajouter, voilà, je sais pas, des petites créations que vous avez faites et pour venir offrir à la copinette. Ça va, vous me suivez? J'ai du mal. Donc voilà, alors pour celui-ci, non, celui-ci, je vais le garder comme ça. Et vous savez, vous voyez, regardez, j'ai donc ces pochettes-là que j'avais donc achetées chez Emma aussi, que je vous avais partagé. Donc vous voyez, là, je vais pouvoir ranger donc mes mood boards à l'intérieur. Voilà, ils sont bien protégés et je trouve ça sympa. Et vous voyez, regardez. J'avais donc déjà testé voilà, les serviettes et donc voilà, je suis venue coller comme ceci et j'en avais fait tout plein et je suis venue donc décorer par-dessus, enfin, j'en ai fait tout plein, j'en ai fait qu'un, vous voyez, il n'en manque qu'un, d'accord. J'ai déjà envoyé, voilà, ça c'est fait. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et voilà, et se servir des serviettes et faire sur le thème gourmandise et tout. Et au moment où voilà, j'étais en train de faire mes créations, puis quand je vous en ai parlé lors de mon haul, je me suis dit, ah, ça c'est pas mal pour faire. Et après, je suis restée là en train de réfléchir. Je me suis dit, allez, c'est bon, je vais faire ça. Donc voilà, l'idée m'est venue comme ça. Je me suis dit, bah, il existe des ATC. Voilà, là, je vais faire des ATC GF, donc grand format, point D. Voilà, donc on va l'appeler comme ça, ATC GF, point D. D, ben, comme je vous ai dit, je me répète, qui veut dire gem, donc gemscrap, mais je ne vais pas mettre le S. Si vous voulez mettre le DS, pas de souci, vous le faites, sinon vous mettez point D. Et puis, voilà. Et je trouvais que l'idée était sympa aussi, voilà, de les avoir petits, mais en grand, bon, en même temps, c'est un format d'une carte hein, en soi. Mais je trouvais que l'idée était sympa et on a plus de place pour venir écrire, voilà, plein de choses, et avec ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Voilà, j'arrête là, c'est bon, vous avez compris. Alors dites-moi si cette idée vous a plu. Et bah, je vous dis à très vite, surtout bah, prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et j'ai envie de dire que voilà, j'aime beaucoup. J'aime vraiment ce style de création. Et puis ça permet de, voilà, de faire tout plein de choses. Comme je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme j'ai fait. Vous pouvez prendre une feuille A4, venir faire votre création directement. En plus grand en fait, en, voilà, j'ai en GF, en grand format, et ensuite venir le couper en 4. Voilà. Allez, sur ce, je vais devoir vous quitter. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si voilà, ce format ATCGF.D vous plaît. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Allez, je vous laisse. Bisous, à bientôt.